jamais oublié le passé. Ok, le passé, ça restera toujours le passé. Mais quand on oublie le passé, le futur, on ne le construit pas. Ça fait 3 ans que nous éditons, enfin, que nous faisons cette soirée. Bon, et cette fois-ci, c'est chez Okaloum. Et donc, merci vraiment d'y avoir participé. Cette exposition qu'on a fait venir, c'est pas n'importe laquelle. Elle a été inaugurée le 28 avril 2018 au Panthéon par le président de la République. C'est d'ailleurs à cette occasion d'ailleurs qu'il a institué la deuxième date officielle de l'abolition de l'esclavage, enfin pardon, en mémoire de l'histoire de l'esclavage, qui est la journée officielle, le 23 mai étant la journée officielle en hommage aux victimes de l'esclavage. Le 10 mai, je ne sais pas si vous connaissez, c'est depuis la loi de 2001, de la loi Taubira. Et donc c'est la journée en hommage, en mémoire de la traite, de l'esclavage ainsi que de leur abolition. On a le 10 mai et le 23 mai qui est en hommage. Et donc à l'occasion de cette première exposition exposée au Panthéon, sa première exposition au Panthéon, donc, le président avait choisi cette deuxième date qu'on a depuis 2018, qu'on commémore avec Jourona et entre autres. Pour clôturer l'année, on a décidé de le faire dans un endroit populaire, et faire venir cette exposition aux gens, aux gens des quartiers ici, et pour profiter et clore l'année, comme ça. Donc merci de m'avoir d'être venu, donc merci à toi et à tous ceux qui sont là, et c'est Mariam Assisogo qui va clôturer la soirée. Clôturer cette journée en l'honneur de l'abolition de l'esclavage. Hein. Donc c'est une journée vraiment très ancienne. Donc en France, on a commencé à commémorer l'histoire de la mémoire de l'esclavage de façon pratique que depuis 2006, hein, 2007. Et on a été créé parce que l'État et l'école d'utilité territoriale étaient pris à la gorge parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils ne savaient pas comment commémorer cette journée du 10 mai. Et donc, ils ont fait en sorte qu'on émerge. Et on a été créé dans ce but-là, notamment de commémorer le 10 mai et maintenant le 23 mai en même temps. On dit saba et danse africaine. Donc le saba, c'est une danse très compliquée qu'on a créé pas mal de choses. C'est des paroles et un rythme composé et des pas de danse composés. Chaque fois que tu danses ça, et au niveau, comme ce que tu disais tout à l'heure, au niveau de l'esclavage et tout ça, avant Capoeira et tout ça, qui sont venus, qu'on parlait du Sénégal, de l'île de Gorée et tout ça, oui. Le saba, il était installé aussi. Tu vois, on communiquait sur le saba. Parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone, ni radio, ni rien. On communiquait sur le saba. Chaque note qu'on joue, de village au village, tu peux comprendre ce qu'on dit. En tant que comme griot et les... Voilà. Dans les villages, on communiquait comme ça. Ça me fait rappeler, vous savez, en Afrique, toutes les cérémonies, il y a le rythme différent. S'il y a le baptême, il y a des rythmes pour le baptême. Il y a du village en village, quand j'entends des percus, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, on entend des rythmes, on dit, ah, il y a un baptême dans ce village. Et les gens, ils s'en vont. S'il y a un mariage, il y a un rythme aussi différent, qui est le mariage. S'il y a une circoncision, comme on dit, un décès, il y a tout. Merci beaucoup, mon frère. Sincèrement, bravo à vous tous de nous faire rappeler cette histoire. Mais aujourd'hui, les générations... Malheureusement, il ne comprend pas, il ne le sait pas, mais il faut toujours passer le message en message. Mais ne pas oublier les passés. Parce que quand on oublie le passé, on ne sait pas où on va après.
Voilà, merci beaucoup. Le tambour pandeiro, c'est un instrument arabe, le tambour, c'est africain. Le birimbau, l'arc musical, c'est un instrument qui vient d'Angola. Donc déjà dans la capoeira même, dans l'orchestre d'instruments, ces instruments qui composent l'orchestre de la capoeira, il y a différents types d'instruments qui sont différents groupes ethniques. D'accord, c'est pas un seul groupe. D'accord, parfois il y a certains groupes qui ont prédominé plus que d'autres, comme les Yoruba, le Fon, mais aussi il y a d'autres groupes ethniques qui sont comme les Hausa, qui ont fait une révolte à Bahia, qui ont dit à la révolte de Mali, ils ont fallu presque vaincre, faire cette rébellion à Bahia, parce que les seuls qui parlaient arabe à ce moment-là, donc ils communiquaient avec des pamphlets, des flyers en arabe pour appeler les autres pour la rébellion. Ils ont fallu prendre la ville de Salvador Bahia, c'est ça qu'on appelle cette révolte, la révolte des Malais. C'était les Noirs de l'Islam qui venaient de. C'était les Hausa. D'accord. Donc on peut dire qu'il y a tous ces mélanges-là qu'on essaie d'effacer un peu dans cette histoire, comme on a parlé par Bozoubi, ces différentes rébellions qu'on a fait pour arriver jusque-là à ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Ensemble, qu'on passe des bons moments ensemble. Voilà, il y a toujours des bonnes personnes qui sont là pour combattre cet esclavage. Même aujourd'hui, ça continue, mais autrement. Mais il y a toujours des gens qui sont là aussi à combattre pour que ça se calme. Donc, les gens comme Wally, comme Dr. Koné,
plein de gens comme lui qui est président de l'association du Mali, donc qui est toujours présent, qui est toujours là avec nous tout le temps. Tout le temps il est là, il fait de son mieux aussi pour que c'est... pour que les gens puissent être bien. Aflave Malisado, Ie Malisado, Aflave Malisado, Sado, Yo 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 Malisado. Keba kanuke, Keba kanuke. Kemi musoba kanu kebi korote la la kanu la musoba kanu ke musoba kanu ke musolin keba kanu kebi korote la la o kanu la sado ye mari sado sado yo 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 bafula be mari Est-ce qu'il peut le traduire? Faut s'aimer. Oui, ouais. Le Malis, Malisado, c'est une histoire qui est très peu connue à Bafoulabé. Qui parle de l'amour. Qui parle de l'amour. Ouais. En fait, c'est l'amour entre... Parce que j'ai la chance de connaître cette chanson-là à travers de ma grand-mère, qui est décédée il y a un an. Donc, qui était très, 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 très connue à l'époque. Les gens, ils disaient même quand elle chantait sur cette chanson-là, sur le fleuve, il y avait des hippopotames qui sortaient. D'accord. C'est un amour entre une jeune fille. Mm. Donc, la fille, au début, il y avait un hippopotame qui était sur l'eau qui s'appelle Bafoulabé, qui est à Kaï, première région du Mali. Même quand tu vas aujourd'hui, il y a deux fleuves, les deux fleuves ne se croisent jamais. Il y en a une fleuve qui est noire, il y en a une qui est l'eau qui est blanche, c'est ça, non? Comment dire? Mm. Donc, mais c'est de l'eau qui se mélange jamais. Mm. Donc la fille, non, c'est vrai. Voilà, la fille, elle venait tout le temps au fleuve. Donc il y avait un hippopotame qui était blanc. Comme on dit, ma grand-mère dit à la langue kassongé, il y avait le front qui était blanc, les filles qui étaient blancs. Il dit à Nogoka, à Fodabe, fini, à Nyadabe, fini. Donc ça s'appelle, il avait des endroits qui étaient blancs. Donc il y a un amour qui s'est créé. Toujours comme je vous dis, ça parle un tout petit peu de l'esclavage, mais aujourd'hui, l'histoire est partie loin. Il y en a beaucoup qui rentrent, qui rencontrent à leur façon. Donc ils se sont aimés avec la fille, mais ce n'est pas l'amour sexuel. Non, mais parce que si tu parles les gens vont te dire comment un hippopotame, un être humain qui peut s'aimer. Ouais. Donc, mais c'était de l'amour humain. L'hippopotame, il donnait le bonheur au village à Bafoulabé. Donc, c'est l'un des villes qui était très très connue par la colonisation. Il y avait un blanc qui est venu qui était amoureuse de la fille. Ah ouais? Ouais, voilà. Donc, voilà. Il était amoureuse de la fille. Et la fille, mais tout son amour, c'était pour l'hippopotame. Elle avait le temps pour personne. Parce qu'elle savait que l'hippopotame donnait l'amour au village. Donc, ça apportait beaucoup de bonheur. Donc, le commandant qui a tué l'hippopotame, ça s'appelle le commandant Soas. Donc, c'est le commandant qui a tué depuis ce jour-là. Les gens disaient pourquoi on ne peut pas avoir l'amour avec un animal. Pourquoi? Parce que la dame, la petite fille, elle voulait personne d'autre que sauf que l'hippopotame, il ne pouvait rien lui donner sauf que c'est que de l'amour. Mais le commandant qui était à Bafoulabé, mais il voulait la fille. Parce que c'est pour que la fille puisse avoir le temps pour elle, pour lui, il faut qu'il tue l'hippopotame. Ah, oui, donc il a tué l'hippopotame. D'accord. Donc c'était depuis ce jour-là, Bafoulabé est devenu historique du Mali. Donc, voilà. Il n'est pas un guerrier, lui. Hein. Il n'est pas tué l'hippopotame. Mais l'histoire peut partir loin. Moi, je vous ai rencontré juste sur. Non, mais il a résumé, c'est vrai. Pourquoi j'ai vu un peu de la musique. Ma grand-mère, elle chantait beaucoup. Elle était très, très, très connue au Mali, même si vous tapez sur Internet Dédé Kouyaté. Les gens ils disaient des chansons, mais bon, c'est parti aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Sénégal, tout le monde chante. Tout le monde chante. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'époque, quand ma grand-mère partait, Bafoulabé, elle chantait sur l'eau cette chanson-là, et elle avait cette dent-là. Il y avait les hippopotames qui chantaient tout ça. Donc tout cela, c'est de l'amour. Vous, si vous êtes là, il n'y a pas beaucoup de monde. La vie, c'est de l'amour. Il faut qu'on s'aime. Quoi qu'il se passe dans la vie, il faut qu'on s'aime. Voilà, c'est le plus important. Il faut qu'on s'aime vivant. Ouais. Pas quand quelqu'un il va voir la mort, on vient. Ah, c'est trop tard. Il faut qu'on s'aime. On soit présent pour
l'un l'autre, on fait ce qu'on peut. C'était important pour moi que je sois là. Ça fait, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Wally, c'est pas l'année dernière, on n'a pas travaillé ensemble. Donc c'est très important, n'importe où il est fait, même si c'est 5 minutes, ça m'arrive de venir, j'ai dit, bah, écoute, on vient. Parce que c'est important, ça fait partie de notre histoire aussi. Et nous, les histoires de nos enfants. Comme j'ai dit, il ne faut pas que seulement que nous, on se recevoir, il faut savoir donner aussi. C'est à nous de donner valeur à cette culture-là, pour nos enfants. Messager. Donc voilà, merci à tous.